Bienvenue à l'Université de Besançon. Vous êtes ici au centre de recherche Compressport. Je vous propose de faire un petit bilan d'aptitude physique et ça va vous permettre de planifier un petit peu vos charges d'entraînement pour cette année. Moi et toi, Béné, t'es déjà un peu affûté? On commence doucement à s'entraîner, mais là c'est essentiellement que de l'endurance. D'accord, donc t'as déjà attaqué. Il va falloir que je fasse un peu de prépa et ça peut être sympa aussi d'avoir quelques conseils ici pour améliorer ça. J'espère qu'il va nous aider pour l'Ironman, savoir ce qu'on va pouvoir travailler. Ouais, c'est un gros objectif. L'hiver va être long. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Du coup, on va démarrer par un test VMA qui va nous permettre de déterminer votre VO2 max. Vous allez démarrer à 8 km/h et chaque minute, on va augmenter la vitesse d'1 km/h jusque finalement à épuisement. Donc vous aurez un masque sur le nez pour évaluer les échanges gazeux. On va pouvoir ensuite calibrer vos zones d'entraînement et surtout suivre la progression. Dur. Du coup, moi j'ai analysé vos résultats. Pour Boris, on obtient une VMA de l'ordre de 19-25 avec deux seuils ventilatoires pour le premier à 13,5 et le second à 17. Toi, Bénédicte, on obtient 17 tout pile avec un seuil numéro 1, lui à 11,5 et puis un numéro 2 à 14,5. Ok. Et du coup, sur Ironman, je serais plutôt dans quel seuil? Alors, sur Ironman, l'objectif, ça va être de se situer autour du seuil numéro 1, normalement. Okay. Ce que je vous propose maintenant, ça va être de vous donner quelques conseils un peu plus techniques, notamment sur la technique de la foulée. Voilà, du coup, selon l'analyse de votre foulée chacune, toi, il s'avère, Boris, que tu es plutôt aérien. D'accord. Okay. Donc derrière, on va plutôt te suggérer un travail de bondissement, ce qu'on appelle de la pliométrie. Toi, Bénédicte, plutôt un travail de poussée, avec des charges maximales. La sonde que je viens de brancher ici permet d'évaluer comment l'hémoglobine est oxygénée ou non. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le test sans compression. Mmh. Et puis ensuite, on va faire le test avec la compression. Si on s'intéresse aux valeurs, on a plus d'oxygène qui arrive aux muscles, pour la simple et bonne raison qu'on a un meilleur retour veineux. Du coup, on accélère le processus de récupération, on élimine les toxines dans le même temps. Voici Boris, on commence le test avec les branchons, d'accord? Tu vois une différence déjà là ou Écoute, je vois, je fais plus de pas. Ouais, tout à fait, donc ça, les manchons vont te permettre de raccourcir ta longueur de pas. Puis après, ce que je te propose aussi, c'est d'accentuer un petit peu cet effet, de façon toi très consciente. Ça, c'est important pour avoir une économie de course, premièrement, et puis également pour réduire le risque de blessure. Plein de découvertes, en tout cas, aujourd'hui. Ça nous a donné les bonnes clés pour pouvoir bien s'entraîner pour l'Ironman de cette année. Savoir quoi faire. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Ouais, voilà. C'est parti. Merci encore. Merci.